Et yop à tous! Oh, j'ai même pas fait triple S sur le premier. Honte sur moi. Des scores de merde ce soir là. Et yop à tous, désolé le chat a bugué, j'ai pas vu si vous avez écrit des messages. Il y a un petit problème sur Twitch en ce moment, j'ai l'impression. Bon, comment ça va bien? On a une heure devant nous avant de faire les sièges. Du coup, on va profiter pour faire un peu de labyrinthe, les Guild Wars, tout ça, tout ça.
Alors, est-ce que c'est de la troll ou pas? Ah non, c'est pas de la troll. Du coup. PP Gamer. C'est toujours tes sièges à la deuxième partie ou c'est juste là? Comment ça? Normalement, c'est pas moi qui ai le créneau en fait. Donc, normalement, tu me verras pas souvent stream le jeudi. D'habitude, c'est Mana en fait. Donc là, c'est exceptionnel. Il y a deux parties pour les combats d'occupation, non? Ah, tu parles de ça? Non, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'à l'open, on essaye de prendre les deux tours 4 nattes, une dans chaque camp. Et après, on wait un petit peu et on attaque tout au long du siège, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Par exemple, si on est contre des guilds qui sont ultra agressifs, qui nous bolossent en early. Et ben on essaye de reprendre les tours qui nous ont pris assez rapidement quoi, pour pas laisser de gros trous dans la base. Histoire que quand on va se coucher, histoire que quand on aille se coucher, il n'y ait pas trop de problèmes en fait. Oh, il a pas rejoué. Déception. Ah, lui il a rejoué par contre. Aïe. Ça, on va auto, il n'y a pas vraiment de problème. Du coup, je vais travailler des nouvelles defs de siège en 4 nattes, notamment avec le barbare d'arc. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça marchera bien, même si Borio est paru des pours. Hey, yo Benichou. Merci pour le raid. Salut Romain, comment tu vas? Yo les gens, yo Alix. Yop 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 à tous, yo Z. Comment ça va? Ça allait jusqu'à ce que je vois les récompenses du tournoi, je suis dégoûté. Quelle récompense du tournoi? Attends, de quoi tu parles? Je suis pas au courant moi.
I'm not aware of le tournoi de qui? Et c'est quoi les récompenses? Et je débarque, j'étais au taf, j'ai rien suivi. Tournoi de samedi dans le truc event. Ah, j'ai pas vu. Je vais aller voir ça après. Y'a même pas de parchemin de 6 étoiles, j'ai le sub, je voulais 6 stars, Garou et Shilling et hier j'ai drop show. Ah. Y'a un nouvel event là? Ah ouais. C'est quoi ça? Attends. Obtention à coup sûr pour tous les spectateurs du direct. Récompense d'atteinte des 30 000, 50 000, 100 000. 100 000? 100 000 spectateurs? Mais c'est énorme, 100 000 spectateurs, non? Combien il y avait l'année dernière? Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Des coupons codes seront fournis pendant le direct. Ok. Obtenir des cadeaux spéciaux. Un super rangement pour 30 000. Ok. Une rune légendaire 6 stars. Oh, c'est fat, ça. Et un diablement. Mais on va jamais l'avoir, le diablement. Non, mais 100 000 spectateurs, c'est... C'est énorme, en fait. On l'a eu l'année dernière? Ah, ok. Et on a dépassé les 100 000? Ça me paraît tellement énorme, 100 000 spectateurs. Wow. Ok. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Du coup, bon, on va refaire la même team. 100 000 à 5 heures du mat, ouais. Oui, il y a de ça aussi. C'est 100 000 à 5 heures du mat. Parce que autant... sur la chaîne, on va faire la rediffusion à 20h, de 20h à 22h avec Papa Geek. Donc ça, c'est des horaires plutôt corrects. Pardon. Autant à 5h du mat avoir autant de gens, ça me paraît insane en fait. Ça me paraît surréaliste en fait. Genre, je vois pas comment c'est possible. Même si après les Asiates sont décalés par rapport à nous, mais quand même... Ah, c'est pas en simultané, c'est au total. Ah, il y a peut-être moyen. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Je trouve ça énorme, mais en même temps, je me rends pas trop compte. T'as quelle heure aux US? J'en ai aucune idée, mec. Ok, break attack, ça c'est cool. Break def. Et poum, 159k. T'as brandia tellement fort. Allez, ramasse ton bras. Ok, maintenant on prend l'autre. Poum. Aïe. Non. Et non, je suis re-up. Je sens bien la ruine, détermination de mort, PV flat en placement 4 pour ma tronche. Ça serait moche. Aïe. Non, je rigole, j'ai pas mal. Hop, break def. Merde. Need un break def, s'il te plaît. Ok, nice. Aïe. Oh. M'a mis cher là.
Poum. Ah dommage, un tour sur le skill de Brandia, je l'aurais arraché. Poum. US et Asie ont beaucoup plus de viewers que nous. D'accord, ok. Ouais, bah de toute façon, on verra bien. Hein. On verra bien. Coffre de runes. Ah, mais il n'y a que des runes que je veux pas, là. Trop de la merde. Ok. Je crois qu'on a des autres boss à faire. Ah, c'est le boss de la PLS. Non, on va le faire en dernier parce que j'aime pas le faire. Lui. Attends, on va pas le faire en easy, lui. Hop, elle... Chaud, on le rune comment? Et ses jobs en rift haut ou light vu les gros dégâts du S2? Oui, c'est possible. Et tu le runes en violent, violent quelque chose. En... T'as plusieurs runages, soit tu le mets en speed, dégâts crit PV, soit en speed, dégâts crit attaque. Soit en PV, dégâts crit attaque. Enfin, t'as vraiment plusieurs manières de le jouer, ça dépend ce que tu veux en faire en fait. Oh, je l'ai pas tué. Aïe. Oh, il m'a stun deux persos vraiment là. Ok, let's go. Boum, boum, boum. Oh, fuck. Je vais perdre. Oh. Non, on finit pas le labyrinthe, non. Violent destruction, oui, tu peux le mettre en violent destruction si tu veux. Ok, c'est plus comme ça que c'est censé se passer. Hein. C'est one shot la tour et la tuer derrière. Dégâts, ça. Ce galion ne fait pas de dégâts. Salut Xela. Pourquoi tu ne finis pas le labyrinthe? Bah parce que je peux pas en fait. Parce qu'on est en farming guild, donc on a pas assez de personnes qui attaquent. On a pas assez de personnes avec un gros niveau qui attaque et donc on peut pas le finir. Du coup bah on fait comme on peut quoi. Hey. Yo joueur. Salut Nian, comment tu vas? Non, casse-toi. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal, j'ai mal. Ok. C'est Mister Yo-Yo. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Nickel. J'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à tuer la deuxième tourelle. Ah, il y a un counter là, non? Yes. Bam, bam. Poum. Et ça dégage. Ah, oh, pas de speed, quel dommage.
Je suis déception. Alors, je vais la garder quand même parce que si jamais elle proc full DCC, elle pourrait peut-être ou pas. Ah ouais, non, elle pourrait pas. J'allais dire sinon elle aurait pu aller sur mon copper, mais non. Ok, trop de taux crit après. Ah bah bravo, j'arrive à dire bonjour, je vais au riz. Et lui me vend du rêve en se mouchant. Pardon Watchum, je suis désolé. Mais bonjour à toi. Comment vas-tu? En ce jeudi. Oh les vieux proc dégâts crit que je me prends là. Pas cool. Ok, elle est inutilisable. C'est pas une excuse, je suis dans une guild farming, on n'a pas un gros niveau, on a fait S au labi. Bah j'avoue. Bah nous on peut pas en tout cas. On peut pas parce que... on n'a pas assez de joueurs qui attaquent en fait. Mais vraiment. On a clairement pas assez de joueurs qui attaquent et du coup bah on n'arrive pas à clean quoi, tout simplement. C'est d'ailleurs une des premières fois qu'on arrive à voir enfin à voir le boss en fait. C'est badade. Hop. Merde putain. Oh poupoum. Si tu le fais tomber forcément tu te casses. Faut les motiver, les récompenses sont vraiment ouf. Ouais, ouais, bah c'est pas faute de le dire, mais bon. Après, tu peux pas jouer à la place des joueurs. Hein. Mais je suis d'accord, les récompenses sont vraiment cool. Pour le coup, elles sont plutôt sympas. Je sais pas si je le fais pas en... Je vais le faire en... Ah non mais je peux pas... Attends... Attends, what? Ah oui. Oh, un temps limité. Hey Snow, comment tu vas? Oculus est runé comment et nommé comment? Tu sais que je me rappelle même plus de son nom. Ah si, je crois. Ah si, il s'appelle Wasted Time. Et il est runé en attaque, dégâts, crit, attaque. En Broken Set, je crois. Genre, il doit être en lame, shield, je sais pas quoi. Je te montrerai après si tu veux, si ça t'intéresse. Fais chier à m'endormir tous mes meubles. Est-ce que des gens jouent l'Omi Dark and Light? Ouais, je pense qu'il y en a qui le jouent. Il y a 2-3 combos bien sympas avec l'Homonculus Light. T'as un mode, enfin t'as une branche de l'Homonculus Dark and Light qui... ressemble à Tiana
Et t'en as un autre qui fait qui counter et je sais plus ce qu'il fait. Enfin, t'en as deux, trois. Enfin, t'as deux, trois branches qui sont sympatoches. Après, moi, je l'ai jamais utilisé, mais voilà. Mais je pense que quand t'as zéro mob dans ta box, ça peut être intéressant d'en monter un. Ah, Moumou, elle l'utilise? Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Mais c'est possible, hein. C'est possible. En forme d'arc, d'accord. Déception. Je vais le faire en hard parce qu'il est vraiment... Ah mais je peux pas. J'ai plus mes mobs. Fuck. C'est chiant. Passer comme ça, tu vois. Je sais pas si en hard il est dur ou pas. On va tester. Ça one shot pas. Merde, j'aurais pas dû faire ce skill là. Oh. Et ça tape quand même, hein. J'ai pas crevé quand même. Ce serait un peu moche de mourir là-dessus. Aïe. Done. Nice. Ok, verdict. Faut tuer quoi? Ah oui, faut tuer la focus. Ah oui, mais je suis un autiste en fait, j'ai pas de buff. Oh là là. J'ai pas de buff attaque en fait, je suis trop con. C'est incroyable comme je suis con. Non, mais quel débile. Oh là, what? Ah ouais, je suis con, putain. Ah. Merde, merde, merde. We are in troubles. Aïe. On va perdre la palouf. Proc. Et merde. Oh, j'ai pas de buff attaque, je suis trop con. Ok, donc même en hard, il est chiant à faire en fait. Bon, ça c'est pas un bon monstre, hein, passe le mytho. Qui c'est que j'ai en buffer attaque là? Il me faudrait un soin qui buff attaque mais qui soit pas feu. J'en ai pas en fait, j'en ai plus. Pff.
Poum 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 poum. New Edwin, comment tu vas? Chazune, mais j'ai plus Chazune. C'est bien là le problème. Vas-y, ouais, on va tester avec ça. Vas-y, go comme ça, on va lui YOLO sa maman. On va y aller comme ça, comme ça. Allez, let's go. Ah, nickel. Il saute trop ce soir chez les AM. Il y a Akos qui chope 2 Katnat en plus de Benichou, c'est trop, putain. Je propose qu'on se barre de cette guilde de merde. Je sais pas où on ira, mais on ira. Bon, Bralsberg est très mal ruiné, mais on espère qu'il fasse l'affaire. Non, je vois la mienne, s'il te plaît. Non, mais je plaisante. I am plaisanting. Boom. Que tu as le cassé à force de faire tomber. Ah oui, j'ai cassé monsieur patate. What, comment il s'est heal autant là, il n'était pas censé crever. What the fuck. Hop. Aïe. Ok, on va attendre un petit peu. Poum. On va lui mettre la marque. Il faut que je mette le break def là. Il faut que je l'assassine. Non, le break def qui passe pas. Oh la catastrophe. Aïe, aïe. On peut circuler cette petite tour là ou pas? Non, non, j'ai jamais le temps. Merde. Est-ce que je peux proc? Ich. 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 Les break def, wesh! Putain! Deux fois de suite! Oh. Putain, c'est l'enfer ce Théo là. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va utiliser ça, on va utiliser ça. De la merde. Poum. Poum. Aïe. Ok. On va faire ça. Proc. Je veux pas proc. Mets ton BDF, hein, sinon je te défonce. Ah bah quand même, merci. Hop. Hop. Proc. Oh. Poum. Ok, nice. Ça fait des gros trous, tes chars, quand même. Coffre de runes. Allez, une belle d'espère. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, encore un vitesse limitée.
Ah non, mais c'est vitesse limitée, je suis con. Ça va le faire quand même. Non, lui il est chiant. C'est pas un truc mieux là? J'aime pas les explosions, moi j'aime bien les... je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas vitesse limitée, c'est l'autre, c'est temps limité moi que j'aime bien. Bon tant pis, on va faire celui-là. Hein. En fait, on manque de soins sur ce compte là. Être obligé de monter une énième Annabelle hein, si ça continue. Attendez, je sais ce qu'on va jouer. On va jouer les Jumels. On va jouer ça comme ça. Hop. Allez, go. Bon, je risque de me faire soulever sur le panda, sur le Fengyang, mais bon. Sur un malentendu. Ah. Eux, ils sont pas gentils. Eux. Allez, les petites Jumels. Le taf. On va lui mettre un lead raise, tiens. Pas proc un peu là. Échange une perna contre une Annabelle quand tu veux. Ah bah carrément mec. Hein. En plus c'est un des mobs qui me ferait le plus plaisir en ce moment. Perna c'est vraiment... Pour moi c'est un des must have qui me manque pour le coup. Pour être vraiment... pour avoir vraiment un compte qui explose. Moi j'ai ni Perna ni Feng Yang. Ça règle le problème. Je vais pas changer de guild Albiret. Mais c'est gentil de proposer. Pour le moment je reste dans ma guild. Aïe aïe. Non. Trop mal là. Pourquoi il a pas... Oh. Ok. Nice. Aïe, 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 j'ai mal. Non, mon barbare. Enculé, putain. Ah, mais c'est pas possible, ça. Putain. C'est breakdev de merde, là. Ça, c'est à cause des breakdev, ça. Ok. On prend tous les debuffs de la terre, c'est relativement chiant. En fait, j'ai pris le pire étage, c'est ça? Aïe, ça a piqué. Fuck you.
Putain, mais c'est une blague, hein, les dégâts qu'ils font. Hein. On est en L, hein, je le rappelle, hein, quand même. C'est incroyable. Là, pourquoi j'ai horreur de faire mon labyrinthe. Heureusement que les jumelles s'est pété. Hein. Pam, pam, pararam, pam. Ok, ça c'est pas trop mal. Du coup, pour ce combat, on va try ça. On va try ça. Et c'est à peu près tout. Mais en vrai, je voulais regarder pour changer. Même celle-là, je la trouve. Bon, ok. Celle-là, elle fera. Je pense que les deux-là, on verra ce qu'elles vont donner. Celle-là, j'aime pas trop. Mais je sais pas qui mettre en fait. Faut que j'y réfléchisse. Celle-là est très bien. Celle-là, je l'aime bien. Mais en vrai, elle fait pas tant de win que ça. Je vais peut-être la changer. Celle-là, elle marche pas beaucoup. Hein. Mais même celle-là, elle est pas très bien. Les autres, ça va. Le ratio. Ouais, celle-là est naze aussi. Ah, je peux pas modifier là. Ah, fuck. Ah oui, je peux pas les modifier dans la dernière heure. Merde, je voulais changer 2-3 trucs. Bon, tant pis. Lui, il faut absolument que je le passe en wheel. Comment que je le passe en wheel. Mon soir farm est à jour. Quasiment, je crois. Je crois qu'il est presque à jour, hein, normalement. Je peux montrer ma Louise. Ouais, je peux te montrer ma Louise. Elle est pas top, hein. Je l'ai bien strip, ma Louise. Je l'ai strip parce que je la jouais plus. Enfin, c'est pas que je la joue plus, mais genre. J'avais d'autres mobs mieux que ça à ruiner en fait. Du coup, voilà, elle est en violent shield. Elle est vraiment pas exceptionnelle, mais. Bon. Mes best win en occupation, c'est ma def avec Vela Juel, Rika. Voilà. La première def, c'est celle qui fait le plus de win. Vela Juel, Rika Pra. Et il y en a une que j'aime bien aussi, qui marche bien, c'est celle-là. Eshir, Jultan, Shilling. Celle-là marche très très bien. Et après, il y en a que j'aime pas trop. Genre celle de Verad, j'aime pas du tout. Parce que mon triton est pas assez rapide et pas en wheel. Donc j'aime pas du tout. La dernière, je sais pas, j'aurais pensé qu'elle marchait, mais en fait, elle marche pas bien. Et celle-là, j'aime pas du tout non plus. Celle Arion, Kanos, Théo, j'aime pas du tout. Non, les autres, ça va, je les aime plutôt pas mal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je tente celle-là, là. Je suis pas convaincu parce qu'en fait, mon Susano, il est mal runé. Mon Orion, il est très mal runé aussi. Et mon barbare, il est pas skill up. Mais voilà, c'est juste pour le fun que je l'ai aligné. Je pense qu'elle va se faire déglinguer direct. Et puis voilà quoi. Mais bon. Et celle-là, elle marche très bien parce que je pense que les stats surprennent en fait. Mon Eshir est très tanky. Et il fait beaucoup de dégâts. Mon Shilling est assez bien runé. Il est plutôt équilibré, bien tanky. Et il fait un peu de dégâts. Et mon Jultan est très tanky. Et voilà. Et du coup, en fait, je pense que les doubles 7 shield plus le revenge, ça fait le taf. Et du coup, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se font baiser par le
par le revenge en fait. Parce que le revenge du shilling et du jutan, c'est très 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 chiant. C'est excessivement chiant. Quand tu tapes un shilling et qu'il te vole tes buffs juste derrière alors qu'il a pas joué, c'est archi chiant. Et jutan, bah, ça perturbe la récupération de PV, ça break dev. Donc si tu te prends ça en revenge, ça peut très vite faire le café avec le Eshir. Il frappe 10k par coup hein, quand même. Hein. Donc là, vous voyez son skill 3. Il peut mettre du 40k à vide, hein, comme ça. Hein. Genre, c'est insane. Hein, c'est insane. Il va falloir que je bosse sur cette défense. Cette défense, je pense qu'elle peut vraiment faire le café, mais il faudrait que je respecte un peu plus Morion. Et il faudrait que je rerune mon Susano. Il manque un peu de Tokrit là. Faudrait que je vois si je peux pas le ruiner autrement là. Parce qu'en vrai. Poum poum poum. Ça, c'est une rune magique. Genre j'ai des runes magiques quoi. Le non-respect d'un. Je comprends même pas comment elle est magique celle-là. MDR quoi. Bref. Il me faudrait un peu plus de Tokrit en fait, hein, tout simplement. Ah, c'est vrai que j'ai celle-là qui est. Ah, bah oui, mais c'est la même chose, ok. Vitesse 15. Celle-là est pas trop mal en vrai. Hein. Et si je mettais ça par exemple? Que j'ai pas une wheel avec de la vitesse et du Tokrit, mais genre beaucoup de Tokrit. Genre il me faudrait un petit 10 de Tokrit. Bah voilà, genre celle-là. En fait, faudrait que je joue comme ça, faudrait que j'inverse. Faudrait que je fasse un truc comme ça. Ouais, je perdrais 5 de speed, un peu d'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner comme ça là? Ah mais c'est encore une magique, mais j'en ai marre, c'est quoi ces runes de merde là? Yo, pas des doubles pauvres aujourd'hui. Non, pas tous les jours. Pas tous les jours, pas tous les jours. Il faudrait que je fasse un truc comme ça. Alors, viens celle-là. En fait, il me faut de la vitesse et du Tokrit en gros. Enfin, attends. Je vais juste mettre Tokrit. Lorsque j'ai en stock. Celle-là a 18 de Tokrit. Putain, c'est. Ouais. Pas évident, hein. Là en speed, je sais que j'en ai pas. Là, j'en ai pas des belles. J'ai une 6 de Tokrit. Ah, si, j'ai celle de Tessarion, mais je peux pas la mettre. Ouais. Du coup, non, on serait obligé de jouer comme ça, en fait, je pense. Que c'est worse, j'en sais rien. Ouais, j'en sais rien.
Donc j'ai celle de mon pissamat, mais le problème c'est que... Enfin, de mon deuxième samat. Celui-ci, c'est qu'elle a mal proc... Elle a pas très très bien proc, quoi. En fait, j'ai volé... L'idée... Avant, c'était... La rune, c'était celle de mon barbare, quoi. Mais je peux ni prendre celle d'Elena, ni prendre celle de Tessa. Du coup, je l'ai un peu dans le cul, en fait. Mais celle-là, elle est bien, en vrai. Hein. Elle est pas trop mal, hein, mais bon. Je sais pas, je trouve que 78, c'est trop faible en Tokrit. J'aime bien ses stats, overall. J'aimerais bien avoir un peu plus de PV. Mais voilà. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai mis du wheel. C'est vrai qu'on pourrait voir aussi autrement. On pourrait virer le wheel et jouer autrement. C'est une très bonne remarque. Mais je crois que c'est parce qu'en fait, j'avais une excellente rune en wheel ici. Et du coup, j'ai cherché à compléter le set, en fait, tout simplement. Mais en soi, effectivement, on pourrait voir autre chose, quoi. Et du coup, quoi mettre? En fait, il me faudrait une rune avec beaucoup de vitesse. Enfin, c'est pas évident à trouver non plus, quoi. Je mets vitesse au crit. Ça me sort quoi? Celle-là. C'est pas ouf. Hein. Celle de mon Bernard. J'en ai pas énormément en fait. Celle-là qui est pas dégueu. 8 au crit 14. En revenge, bon. Tout ça, on peut pas toucher. Celle du Sigma, elle est pas trop mal. Ouais. Je sais pas, je suis pas convaincu pour le moment. Celle-là qui est exactement pareil. Il me faut 11 de Tokrit minimum, donc ça fait qu'il... Non, il m'en faut plus que ça, en fait. Il me faudrait ce genre de rune, mais je perdrais tellement en vitesse. Pas si je pique celle-là, là. Ouais, je perds 7 de vitesse. Pour gagner 3 de Tokrit, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. En fait, j'ai vraiment des runes de merde. Ah, j'ai celle-là. Ah non, j'ai celle-là. Celle-là qui est pas mal. Qui a rien à foutre sur Myang d'ailleurs, parce que bah, Myang est pas PVP. Mais bon, ça fait chier de mettre un offset. Ça fait chier de mettre un offset violent, quoi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Attendez. Est-ce que. Le grano est là. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Je suis pas convaincu. On pourrait effectivement mettre celle-ci. Mais du coup,
Alors il faudrait voler la rune de Wa. Ouais, mais non, elle est pas top. Celle-là, elle donne quoi? Je veux pas mettre une violent en offset. Ça, certainement pas. Et Twisty. C'est bien Diana en DFGVG. Non, j'aime pas Diana en défense. Par contre, cette rune, elle sort d'où cette rune là? C'est une héroïque en plus. C'est que je connais pas, je me rappelle plus de cette glyphe, enfin cette rune. Je me demande pourquoi elle est sur Miang et pourquoi elle est pas sur un autre mob. Attends, il a quoi mon Théo et mon Tessarion là? Ah oui, il est bien tanky sa mère. Et mon Tessa, il est comment? Il est en PV? Ouais, il est en PV. En fait, c'était l'ancienne rune de Tessarion, je pense. Et vu que j'ai pas d'autres nukers en violent, je pense que c'est pour ça qu'il l'a récupéré, mais en vrai, c'est pas la vraie vie. Ah, il y avait lui, mais lui, il est en PV aussi. Ouais, bah tiens, mon Bellanus, si tu veux le voir, il est où? Il est. Bah, il est storage, tiens. Hop. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Hop. Ouais, il est pour le moment au storage. D'ailleurs, je crois que je vais strip des runes. Ouais, il est comme ça. Je sais pas si je vais le monter en vrai. J'en sais rien. Le mob est ok, mais je sais pas. J'ai pas vraiment besoin d'avoir ce mob là dans ma box en fait. Je voulais monter un deuxième Orion, mais vu que j'arrive déjà pas à respecter le premier, je me suis dit peine perdue. Bah, comme je disais sur Twitter, Bellanus pour moi. Oh yes, la résistance. Nice. Et le cut de la Tiana. Pour moi, Bellanus, il peut avoir deux utilités. Il peut soit jouer la mini Rika, soit roxer, enfin faire des dégâts un peu comme une Elena, quoi. Mode bruiser. Ok, donc ça sert à rien, j'ai déjà Rika et Elena. Bah comme moi, c'est bien pour ça que je l'ai pas monté en fait. Parce que je pense que si t'as déjà Rika et Elena, tu n'as pas forcément besoin de ce mob. Si ce n'est pour, bah peut-être pour faire un doublon en TOA hard ou ce genre de choses. Genre tu joues Rika plus lui, ça peut être sympa, mais ça s'arrête là je pense à mon sens. Bah si t'en as aucun des deux, c'est à toi de choisir ce que t'as envie d'en faire, quoi, pour moi. Hop. Ok, c'est l'heure des sièges. On va voir contre qui on est. Salut Eno, ça va très bien et toi? Bon, on se fait un peu défoncer en siège en ce moment, j'espère que. Bah, on est bien redescendu, donc j'espère que ça va aller là. Mais en vrai, ouais, on a passé. Les deux derniers sièges, on s'est fait ravager quoi. Ok. Ça a pas l'air d'être des devs de merde. Ok, bon, on verra bien. Je sais pas, en ce moment on tombe que contre des bonnes guildes. Alors les combats sont ultra intéressants, mais bien souvent on se fait ravager. Alors est-ce qu'il y a un truc à Lucian? Ça c'est piège ça. Hein. Ça c'est extrêmement piège. Si jamais ça t'outspeed, t'es mort.
Sauf si tu shilling. Ça, ça se lui chaîne normalement. Ça, je pense que ça se lui chaîne. Bébé, qu'est-ce que... Regarde, je te mets. Ouais, je suis sur global, ouais. Bon. Normalement, on devrait pouvoir le one-shot, je pense. Et il y a Noé qui nous a outspeed, enfin, j'espère pas. Hop. Ok. Hello pour tout le monde, vous mettez sur un même pied Destal, Lucien et Julie? Non. Enfin, Julie c'est très fort, mais ça reste situationnel, tu vois. Genre par exemple, ça, ça pèse Julie. Et en vrai, vu la dev du gars, ça veut dire que son Raccoonie est extrêmement rapide. Du coup... On va essayer comme ça, mais c'est pas dit que ça passe. Si jamais on se fait outspeed, on a perdu en fait, tout simplement. Et si on a outspeed, ça peut bien se passer. Ok. On a outspeed. On n'a pas... Bon, ok. Ah, oh, j'ai pas breakdef. Ah, nouvelle chance. Ok, j'ai breakdef. Nice. Si j'avais loupé le breakdef, je pense que... Ça aurait pu être la misère. Salut, Joke. Ouais, en fait, son S3 en fonction des PV, c'est très bien. Ça tape très fort, mais déjà ça tape moins fort qu'un Lucien dans tous les cas. Et deuxièmement, c'est... Bah si tu te fais toucher, t'es mort quoi, tout simplement. Comment on passe ça? Ça, on est obligé d'outspeed aussi. Hein. Le problème, c'est que j'ai plus trop de mobs qui outspeed. Enfin, je vais pas y aller en bulldo copper, ça c'est hors de question. Ça c'est chiant aussi. Ça, je vais copper le Jultan. Je vais buldo l'autre là. Je pense qu'on sera bon. Ok. Aïe. Ah ouais, Simstan c'est chiant. Après, il va pas me stun tout le temps, je pense. Ah si, il me stun tout le temps. Ha, moi aussi je stun. Et ouais, mon pote, moi aussi je te stun. Ok. On va essayer de break def. Non. Ok. Alors ça, c'est une défense bien cancer, mais bon, bah, ça me fait utiliser mon bulldo copper, en fait. Donc c'est pour ça que la défense est pas mal. Parce que j'ai pas envie de passer ma vie avec, avec d'autres mobs. Ok. Poum poum. Tchpoum. Ok. Et les deux dernières, ça va être la misère parce que j'ai plus trop de mobs sympatoches. Ah, celle-là, je pense que je peux le faire. Celle-là, en fait, il suffit juste de bolos le sigué et après, c'est fini, quoi. Mais avec quoi tu bolos le sigué, en fait? C'est ça, la vraie question.
Help, je suis bloqué au GB9, je cherche un mob pour DPS qui irait avec Verde, Bella, Bernard et Shannon. Attends, quoi, GB9? Mais GB9, pour moi, faut pas jouer le VRD heal. Hein. Faut pas que tu joues ton VRD heal. Du coup, qui c'est qui peut outspeed là? En fait, on a personne, parce que si la Chloé, elle va jouer avant moi, forcément, je pense. Du coup, soit on... Et lui, il tape en AOE, je crois, tout le temps. Attaque tous les ennemis deux fois... Là c'est quasi sûr qu'on perd la outspeed hein. La Chloé elle va forcément être plus rapide quoi. Voilà, on lui fait la spéciale. On joue comme ça. Vas-y, on va lui faire la spéciale. La spéciale, on n'a pas de race. On va jouer comme des putes. Oh, les dégâts qu'il m'a mis par contre. Ok. Hey. Ush. Ok, il a pris un peu. Il faut qu'on le sorte. Si on le sort, après c'est bon, je pense. Oh, il a pris. Ah, c'est tendu. Aïe, j'ai mal. Aïe. Eh, j'ai failli me faire wipe. Hein. Ouais, c'était pas loin. Et là, bra 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 bra. Là, j'ai pas de break dev, donc j'ai pas mis beaucoup. J'ai mis que 4K par hit. En vrai, si jamais j'arrive à avoir un break def, vous allez voir. Ça met tellement cher. Aïe. Hop. Allez, il me faut un BDF là. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu shilling aussi, mais bon. Attends, je vais vous montrer ce que ça donne sur un break def. Est-ce que tu peux... Ah ouais, mais elle va jamais se faire break def en fait. Oh, c'est naze. Poum 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 poum. Grano, il se tape l'autre. Ouais. Aïe aïe. Et celle-là, c'est chiant. Celle-là, c'est... Bah, il est en 0-8, donc je pense qu'il est pas très rapide. Mais le problème c'est que j'ai plus de multi-hit. Je suis en train de réfléchir. Ça fait quoi déjà? Il me faut du multi-hit. Ah mais non, mais si j'ai elle. Attendez. Il me faut un booster ATB. Bon, vas-y, on la tente. Hein. Non, non, les jumelles, elles sont... Les... Mes jumelles sont pas du tout faites pour PVP. Hein. C'est... Je vais me faire bolos hein, si je joue les jumelles. Ah oui, par contre, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié, à chaque fois que je me fais baiser, c'est que... Ouais, bon, ok. On va tenter quand même, hein, tant pis. Si je le tue pas, je suis mort. Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, en jouant comme ça, mon galion peut pas jouer avant et c'est chiant parce que j'ai des fois je manque de dégâts pour tartiner la... pour tuer le mob avec Stella. Même si ma Stella fait extrêmement mal, le simple buff attaque ne suffit parfois pas pour défoncer le mob en face. Salut Jibella, comment tu vas? Tu veux montrer ta Stella? Ouais, je peux te montrer ma Stella. Ah,
Ça bug. Allô. C'est nice. Ok, voilà, et du coup, oula, attends, c'est qui a pris ça? Ah, c'est les jaunes. Ok. On va laisser les jaunes attaquer les rouges tranquillement. Nous, on va regarder ce qui se passe. Et puis on va voir. Sérieux, t'es contre chaîne Joke et MDR? Bah, bon courage. Hein. Impressed, tu vas sur YouTube, tu tapes tuto GB10 et tu vas trouver des milliards de vidéos avec des teams ultra simples à faire. Et t'as juste à suivre ça. Tu peux jouer Shannon, Bernard, Belladeon, Veromos et un nuker vent, ce genre de choses quoi. Mais il y a vraiment 10 milliards de compos qui sont très accessibles. Et voilà. Rochant les viewers grave. On est retombé combien là? Ouais, on est retombé 846e, ok. Bon, ça va en vrai. Mais j'avoue qu'on se fait bien soulever en ce moment. On a fini. Ouais, ça. On a gagné ici. On s'est fait exploser deux fois de suite. Et ensuite, on a fini deuxième. Bon, après, c'est à peu près tout le temps comme ça. En fait, on n'en gagne pas beaucoup des sièges, hein, au final. On n'en gagne pas beaucoup. Bon, en espérant que les devs fassent le taf. Ah oui, c'était là, pardon, j'arrive. Ma petite, c'était là. Hop. Elle est en broken de partout. Et ça donne ça comme stats. C'était des stats axées raid. Elle est quand même assez tanky. Un poil lunaire rapide. Enfin, elle a tout ce qu'il faut. Elle a un peu de précis. Enfin, elle est vraiment. Ah non, la précis c'est en option. Enfin voilà. Elle est pas ouf, mais elle est pas dégueu non plus. Sachant que c'est du broken, c'est, je trouve que c'est honnête quoi. En fait, c'est un peu sur le même modèle que Mawa. Mawa, elle est à peu près pareil. Et Mawa, c'est pareil, tu vois, elle est en broken aussi quoi. Elle a pas vraiment de set attitré, genre. Hein. C'est un peu à la zub, mais ça marche très bien. Hein. Son shilling. Merde, attends, il est où son shilling? Ouais, faudrait que je passe mon Orion au wheel en vrai, c'est pas faux ça.
Là que je passe mon rayon wheel. Mais merde, il est où son shilling là? Ah mais il est pas en def, d'accord. C'est comme un connard le... Andrez. En quoi? Oh, il a un triple revenge. MDR, t'as mis une résistance en 6, t'as pas de race. Hein. T'as vraiment pas de race. Ouais, les runes sont plutôt propres par contre. Elles sont sympas les runes. Sympa. Ah, il est propre le show. Salut Patapon. Comment tu vas? Ouais, archi propre. Le show, c'est vraiment un mob que j'ai du mal à. Vraiment du mal à runer quoi. Alors, bon, t'imagines que le mien il a quoi? Il a 100 def de plus que toi, mais il a genre 250 d'attaque en moins et 20 de crit en moins. C'est insane. Hein, j'ai vraiment beaucoup de mal à runer mon show. Ouais, elle tient, oui, là. J'arrive pas à avoir ces stats là. Hein. Je sais pas. Déjà, j'aimerais bien compléter le set, déjà, pour commencer. Soit le mettre en shield, soit le mettre en gardien, mais pas un peu des deux en fait. Ça, c'est... T'es masque qui perd en défense quoi. J'arrive pas à faire un bon show, c'est incroyable hein, que je pue autant la merde. Hein. Là, je perdrais 5 de... Ouais, je gagnerais masse def. En vrai, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je le joue. Hein. Je perdrais encore plus d'attaque, mais bon. Il est où le chocolat? Il est là. Il faut que je le mange en fait. Mais comme j'ai envie de boire un café, voilà quoi. Enfin bref, je vous raconte ma life, vous en battez les couilles, mais... Ouais. Ouais, du coup, je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait... Soit je le mets comme ça... Bon, cette rune, elle est godlike. Donc c'est sûr qu'elle bougera pas, j'aurais pas mis en violent. Celle-là, elle est sympa. Et du coup, il manque un poil d'attaque. Vous le préférez comment, comme ça ou avant? Alors, je sais pas, en vrai, j'en sais rien, putain. Allez, donc, nous.
Celle-là, elle est pas mal tanky. En fait, il serait vraiment tanky, quoi. C'est... Il est vrai qu'on s'en fout. Joke, nique ta mère. Oh, pardon. C'est parti tout seul, excuse-moi. ouais. Celle-ci est pas belle. Celle-là est vraiment pas belle. Non, celle-là, elle est pas belle. Clairement. Celle-là est pas belle. Ça manque de stats. En fait, quitte à avoir moins de dégâts crit, mais à avoir plus de stats derrière, quoi. Genre plus de vitesse, plus d'attaque. putain. Celle-là, mais j'ai pas d'attaque. Celle-là, mais j'ai pas vitesse. C'est incroyable. Wep, wep, wep. Bang, bang, bang. Après, je me dis que là, il serait vraiment archi tanky. Mais bon. Est-ce que vraiment on en a besoin? J'en sais rien. Attends, j'ai vraiment mis de la raise ici, là. Parce qu'en vrai, celle-là, là. Si je mets de l'attaque pour 100, c'est une ruine pour chaud, ça. D'accord. Et après, le problème, c'est qu'il me faut une violent, quoi. On connaît la non-qualité de mes runes violents, quoi. Ouais, j'en sais rien. Je suis pas trop convaincu. Celle-là est pas mal. Ah, le problème, c'est que... Bon, après, faudrait maxer les PV. Ah, mais je perds masse attaque, là. What the fuck? Ah oui, mais faudrait que je mette de l'attaque ici. Là, j'ai 11. Je vais récupérer 11 ici. Non, en vrai, il peut être sympa comme ça, non? Je pense qu'il peut être sympatoche comme ça. J'arrive à lui trouver une bonne rune. Genre là, je mets de l'attaque à mort. Je mets une meule légendaire ici. Non, je pense que ça peut le faire. Il sera encore plus speedy. Bah, je vais perdre juste un peu de dégâts crit hein, avec cette rune là, non? Tu vois. Le problème c'est qu'il faut tout quoi sur ce mob, c'est faut qu'il soit speedy, faut qu'il soit tanky, faut qu'il tape, enfin c'est insane hein. Ce genre de mob où il faut toutes les stats du monde, c'est trop dur hein. C'est trop dur à runer hein. Surtout qu'il faut du violent quoi, c'est insane quoi. Enfin, je sais pas, faudrait que je refasse faudrait que j'essaye de regarder 2-3 runages. Il sera pas en wheel, ça c'est une certitude. Enfin, je pense qu'il sera pas en wheel. J'ai pas assez de bons runages wheel. Mais voilà. Mon micro se désensibilise. Ah merde. Pourtant, normalement, c'est peut-être parce que je parle pas bien dedans. Alors, je vais surveiller, on verra bien. Et là, on détruit. C'est pas bête. Surtout que j'ai utilisé aucune rune destruction sur mon compte. Donc il y a moyen que j'en ai 2-3 jolies. Mais c'est pas garanti quoi. Enfin à voir quoi.
Ouais, Violent Némésis, c'est très fort, hein. C'est très 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 fort. Faudrait que la rune up, histoire que je vois juste les stats en fait. Je trouve que ce chaud, c'est un des mobs les plus compliqués à runer. Ok, nice. Du coup, ouais, on perd de... En fait, en attaque, on sera even. On perd 10 de DCC, on va perdre un poilou net PV. On va gagner masse def. Ouais, je sais pas. I don't understand. Non, en vrai, j'en sais rien. Je sais rien. Je sais pas. Non, parce que l'attaque, on perd combien là? 20%. On perd 3% ici. Ici, 12%. Ah oui, mais on en perd 12% ici. Ouais. Pff. Ouais, faut voir à quel point ça proc attaque. Est-ce que ça peut rattraper un peu? En vrai. S'il reste comme ça et que j'arrive à combler l'attaque, ça peut être sympa. Après, j'ai juste à meuler un peu mieux, mais voilà quoi. Ouais, ouais, ça scale sur les HP, ouais, clairement. Ouais, ouais, j'en sais rien. Faudrait que je le fasse avec le... Comment ça s'appelle ? Avec l'optimizer, en fait. Il est comment, toi, ton... Qui c'est qui a un bon show là que je pourrais aller voir? Là tu reconnais bien la fiche d'un noob. Là tu sais que tu vas rentrer sur le compte d'un noob. Ah mais tu vois, je pourrais pas jouer un show comme ça. Genre pour moi il a pas assez de talk rate, il a pas assez d'attaque. En fait s'il avait genre 10 de talk rate en plus et 200 d'attaque en plus, il serait exceptionnel. C'est dur hein, d'avoir un vrai bon show. Après, à tout moment là et là tu mets des meules légendaires, enfin des gems légendaires et... Et j'ai wellplay quoi. Même là, oh là là, comme... elle est même pas maxée ta rune. Ouais, bon, t'as moyen de faire un peu mieux quoi. Non mais, enfin, je sais pas. Moi je... Même s'il le jouait qu'un lead to crit en fait. C'est compliqué de se dire, bah mon show je peux l'utiliser que si j'ai un lead to crit, tu vois. Après, sinon, il est bien tanky sa mère. Merde, si j'ai des 7 destructions là. Ça a pas l'air. Ça, c'est de la merde. Celle-là, si je mets du talk crit. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver un slot dégâts crit potable, quoi. Ça, c'est plus compliqué, quoi.
Non, je garde pas les meules bleues, non. Enfin, ça dépend sur quel set. En violon et en wheel, je garde, sinon le reste, non. Ouais, je vois, je sais pas. Je suis pas convaincu. Y a le seul qui m'a vraiment convaincu de ouf, c'est celui de Video Killed. Actuellement, hein, il a mis les meilleures runes de son compte sur son show. Son show est juste magnifique. Pour ceux qui l'ont déjà vu, son show est vraiment exceptionnel. Ouais, toutes les 1, 3, 5 plus 15, ouais. Celles que je joue, ouais. Bah t'es obligé, à haut niveau t'es obligé, hein. Tu peux pas te permettre de... Tu peux pas te permettre de pas jouer... De pas jouer tes rues de mêlée, quoi. Ouais, le tien il est pas mal, Grano. Mais suite vidéo, il est encore au-dessus. Mais c'est tellement dur, je trouve, de runer un show. Je sais pas. Peut-être que je veux pas lui mettre les meilleures runes, c'est peut-être ça aussi. Faudrait que j'essaie de lui mettre les meilleures runes du compte pour voir un peu ce que ça donne. Merde. Ah, la blague. Il m'a vraiment stun là. Putain. Après, c'est vrai qu'avoir un... C'est vrai qu'avoir Santocrit, c'est pas mal aussi. J'avoue que c'est sympa. Bon, je suis pas sûr de mon coup là sur le double Lucien là, je pense que j'étais un peu ambitieux là sur le coup. Je vais me faire rebound la gueule, c'est sûr. Elle full life hein. Ouais, je manque encore un peu de DPS sur mes Lucian. Est-ce que je peux rejouer? Ah non, je rejoue pas. Mais après, elle a déjà soin. Du coup, à tout moment, je tue lui. Ah ouais, mais après, je sais pas comment je tue les autres, là. Oh, ça me paraît compliqué, là. Aïe, aïe. Wesh, ça va? Je te dérange pas, Elena. En plus, elle s'est même pas transformée, je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est pas censé se transformer, ces bestioles, là. Le show va juste me détruire. Aïe. J'ai rien passé. C'est une blague. Poum. Attendez, c'est pas fini sur un malentendu. Non. J'ai pris le strip. Je suis un autiste. Ah, si j'avais pas pris ce strip de merde. Ah. Allez, encore, tu peux le faire. Non. Non, casse-toi. Oh non, elle a soin, la biatch. Ça va se jouer à un tour. Un putain de tour. One fucking turn. Oh. Je suis curé. La chatte. Fuck. Bon, j'ai un peu abusé. Faut que j'arrête de jouer mes Lucian partout. Là. J'aurais dû le pisse à mat. Si
C'est juste que j'ai trop la flemme de changer de team en fait. Salut Pâté Chinois. What, il est plus rapide que moi? C'est une blague? Comment il est plus rapide que moi lui? The fuck. Les gens sont trop bons hein, dans ce jeu, hein. C'est incroyable. Hein. Les gens ont tous des Orions à 300 de speed. C'est insupportable. Orion, c'est pas mal, ouais. C'est assez fort. C'est plutôt sympa. Ah, c'est vrai que Triana, c'est complètement fumé. Hein. Complètement éclaté comme mob. Ouais, mais si t'as 68 jours de jeu, c'est normal du coup. Non, Triana, c'est Nat 4. Salut Malb. Ouais, tu confonds avec Tiana, ouais. Tu confonds avec Tiana, c'est Tiana qui est 5 nat. Putain, mais ils ont tous décidé de perdre sur ma défense. Ouais, j'ai perdu une AO tout à l'heure. Ok, ok. Sur 15, nice. Maintenant faut qu'on farm. What? Ouais, et puis vraiment la merde cette def. Hein. Faut que je la change. Ok, donc là, ils sont en train de se taper. Oh, oh la def. Eh, en vrai, elle est pas dégueu, celle-là. Hein. Tu m'étonnes. Mais lui, il doit smurfer, lui, c'est pas possible. Sa def, elle est vraiment, vraiment... En vrai, vous savez quoi, celle-là? Moi, je la luchaine, celle-là. Celle-là, je la luchaine. Un petit Bernard Bassett Luchenne et je le Luchenne sa grand-mère et je le tue en deux tours, mais elle a tellement de win sa def. Pouah. Après par contre il faut un gros Luchenne hein. Il faut vraiment un gros Luchenne. Mais du coup à mon avis ils ont dû perdre pas mal de dans les jaunes. Ils s'appellent comment les jaunes? URL tier 1. Ok, ils ont dû perdre pas mal de fois dessus, non? Ah, que deux fois, ça va en vrai. Putain, je suis le seul noob à m'être fait attaquer. Ah ouais. Fuck. Y'a pas des gens qui font de l'arène là, des gros gars là? En vrai, j'ai la flemme de faire de l'arène. Il joue quoi, lui, comme compo? Ah, il joue des compos chiantes. Ah, il a joué contre Kurushi. Ok, et l'autre, là? Yeah.
Lui, il joue des compos pétés, lui. Voilà, comme ça, je vais pouvoir bouffer mon chocolat pendant qu'on regarde des combats de RTA. Oh, la gueule du type, hein. Il a Jagger et Ragdoll, hein. What the fuck. Bon, vous m'en voulez pas, pause chocolat, hein. De quoi? Ah, c'est lui l'ancien compte de Tiki, sérieux? Ah, mais d'accord, il a racheté le compte de Tiki. Ok. Ok. Non, mais je vois, du coup, bah je connais le compte en fait. Je savais pas que c'était le compte de Tiki. J'avais pas compris que c'était. Le tournoi en live. C'est à 5h du matin sur le stream de chez vous. Et nous, on fera une rediffusion le soir de 20h à 22h. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui auront la flemme de se lever à 5h. Voilà. Ouais, mais Foy, il voit tellement passer de gros comptes que je pense que c'est normal qu'il se plaigne des runes. Non, la rediff samedi soir. C'est moi ou il se fait éclater là? Le petit proc qui met bien. Si le Village Duel a son. Attends, si le Village Duel a son. Ah bah non, c'est fini. Bien vu. Mais là, il perd en fait, parce que Tessarion, c'est trop fort. Oh, le tour sup qui carry. Là, la Vanessa, elle va faire bim. La bonne Vanessa. Il s'est fait arracher. Ah, l'autre le connaît, il a ban Ragdoll direct.
Par contre, rassure-moi, il a une PP avec une Yung Hong. Mais il a pas réellement Yung Hong sur le compte, on est d'accord? Je comprends pas pourquoi il laisse à chaque fois Tessarion open. C'est vrai, c'est une bonne remarque ça, JB là. Je sais pas jusqu'à quand durent les coupons là qu'ils vont distribuer, mais ça. Putain, il va falloir se lever à 5h pour aller coupons, ça fait chier. Surtout que moi, en plus, demain, je bosse. J'ai une intervention de 22h à 1h du mat. Donc si je dors que 4h, ça va être compliqué de me lever à 5h. Sachant que je dois streamer le soir, ça va être chaud. Ou alors je fais une nuit en deux temps. Alors je finis mon inter à 1h. Je vais me coucher jusqu'à 5h. Réveil à 5h. Je regarde les worlds. Et après, je vais me coucher. Mec, nuit blanche à mon âge, je peux plus, wesh. Je suis trop vieux pour ces conneries. En fait, il a un compte de porc, mais il se fait défoncer par tout le monde, quoi. En fait, il se fait à chaque fois déchirer par les Tessarions. Yo gamer, les Worlds, c'est samedi à 5h du matin. Sur le stream de Shizu. Eh, hey, Bubble QQ, c'est celui qui doit venir dans notre guild, ça. C'est Lasvi. C'est lui qui vient dans notre guild à la place de Grano semaine prochaine. Bon, bah du coup, on va voir s'il est fort ou pas. Non, en vrai, je sais qu'il a un gros compte, mais... Yo Chichi, Grano il repart en G3. Eh, hey, ça m'intéresse sa compo là parce que j'ai les mêmes pics. Ok, Anos Bastet direct comme ça, Tessarion. Ah, j'ai pas Syrah. J'ai pas Syrah malheureusement. Non, je viens pas tout de suite, Pâté. Continue un peu avec la guilde et puis on verra bien.
Peut-être que je viendrai plus tard, j'en sais rien, on verra. Pour le moment, je reste avec Zvizan, qui est ma Bubble Q, là, qui est en train de jouer actuellement. Je crois que c'est lui, en plus. Mais peut-être que dans un futur proche, je vous rejoindrai pour quelques guerres. Le temps que je chope Molong, Perna... En fait, j'ai toujours dit, hein, tant que j'ai pas chopé mes mobs clés sur mon compte, je continue en farming guild pour pouvoir invoquer en masse, tu vois. Et quand j'aurai chopé mes mobs, peut-être que voilà. Bon, je comprends toujours pas pourquoi il persiste à ne pas virer le Tessarion. À chaque combat, ça fait 3 combats qu'il fait, ça fait 3 combats qu'il laisse open le Tessarion, et ça fait 3 combats qu'il va se faire retourner le cul. Genre, je comprends pas, hein, vraiment. Hein. Par Mugli, l'endroit Bernard, Gianna, Sirar, Tamil, Ragdoll. Ouais, j'avoue. Il nous fait quand une petite semaine? Ben, quand j'aurai des vélins. C'est-à-dire jamais. Ah, il va peut-être gagner là. Il a réussi à sleep tout le monde. Il a peut-être une petite chance là. Après, je sais pas, sa compo, je la trouve très forte. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à la jouer. Coucou. Oh putain, tu m'as fait flipper. Salut. Ça va? Ça va? Attends, mais t'es où? T'es pas à Séoul, toi? Mais si! Mais t'es dans ta chambre d'hôtel! Mais carrément! Ah là là, la chance! Et alors, c'est bien? Bah écoute, il est 5h du matin, et comme je suis jet-lagué, bah voilà, je pète la forme! Ah bah écoute! Alors bon, bah évidemment, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, je regarde ce qui se passe sur Twitch. Comment ça va le chat? Vous êtes gentil avec Dédé? Non, ils sont trop méchants! Hein. Ils sont trop méchants parce que tu perds, mais ça c'est parce que t'es mauvais. Non, non, là je regarde, je spy des gens qui jouent mieux que moi. Ah bah dis donc, t'en as pour un moment. C'est ça, non et en fait je regardais parce que le mec là il joue Ragdoll et Jaeger. Et en fait c'est l'ancien compte de Tiki. Donc du coup je regardais un petit peu voir ce que ça donnait. Mais il a des très bons monstres. Mais donc il a beaucoup de mal à les jouer quoi. Genre là ça fait 3 fois de suite qu'il laisse open le Tessarion et qu'il se fait retourner quoi. Ouais, quand on a des monstres à passif c'est pas une bonne idée. Bah ouais, il joue Jaeger, il joue Ragdoll, il joue tout ça, et il laisse le Tessa open. Forcément ça se passe pas très bien. Bon du coup vous avez fait quoi du coup pour le moment là? Alors écoute, pour le moment on a eu une petite visite des bureaux de Come to Us, qui a ouais. été vraiment une petite visite. Hein, Ok. Voilà, on nous avait dit vous pouvez poser toutes vos questions aux développeurs. Ouais. Bon, finalement, on va choisir 2 questions et on les validera. Ouais. Bon, alors finalement, on a une liste de questions pour vous. Voilà. Ouais, c'est... Ah, ok. C'est pas top, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est un peu triste, quand même. Et sinon, ça ressemble à quoi? Il y a des figurines pop dans tous les sens. Il y a des bouts de carton. Et ben... Moi aussi, je m'attendais à un truc comme ça, voir un open space, des bureaux, ouais, voilà, des posters, des figurines. Et ben, pas du tout. On a été reçus dans la cafette. Voilà, il y avait des figurines de méca japonais. Et... Voilà. D'accord, ok. Ok. Je suis un peu triste. Non, en plus, c'est et pas comme on... si tu pouvais y aller tout le temps, quoi. C'est genre. Bah non, c'est ça. Terrible, c'est... Moi, je voulais voir des gens devant des ordi, me montrer des graphismes, des animations, des. Comme, comme des la. Ouais. Exclusives, comme la visite d'Ubisoft, en fait. Prochaine. Et bah voilà, mais pas du tout. Ah, c'est dommage. Aïe, aïe, aïe.
Et genre, ils sont quoi? Ils sont dans un gros building où il y a marqué Come to Us en haut, en gros Celeste en fait, et tout ouais, ou... Non, pas du tout, ils sont dans un groupe de buildings en fait. C'est trois buildings et ils ont des bureaux dans trois des buildings séparés en fait. D'accord. Donc voilà, il se fait retourner quoi. Ouais, il se fait arracher. Ouais. Et enfin, là, il joue encore trois monstres à passif. Oui, mais je comprends pas pourquoi. Ça fait 4 combats de suite qu'il laisse Tessarion et à chaque fois il se fait déchirer. En plus, c'est pas comme s'il jouait l'immune quoi. Genre. Très léger quoi. Parce qu'il a legit tous les mobs. Hein, parce qu'il a Jäger, il a Ragdoll, il a Triana, il a Diana, il a Molong, il a Perna qu'il a sorti avant. Enfin, il a quand même des gros gros monstres. Hein. Une box quoi. Une belle box. Et Mana, tu peux demander à Com2S pourquoi dans les récompenses il n'y a pas de parchemin de 6 stars gratuit. Ouais. Ah ouais. Et boum. Et bah là c'est fini. Bon en fait le gars joue super mal en fait. Ouais, je pense qu'il joue pas très très bien. Clairement. Je crois que voilà, il a acheté un compte. Mais, ça. Il joue super mal. Et il a du mal à le manier pour le moment. Et du coup, c'était bon. Yo, Papa Geek. Hey, salut, Papa Geek. C'était bon la petite. C'était quoi? C'était une fondue, non? C'était le truc. C'est un barbecue coréen qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Mais c'est quoi comme. Enfin, je comprends pas comment ça marche en fait. Et ben en fait, t'as un barbecue au milieu de la table et on t'apporte des aliments et tu les fais cuire dessus quoi. Mais alors pourquoi il y a une grosse colonne qui vient du dessus? C'est une hotte. C'est une hotte, ouais, pour aspirer. Parce que, bah en fait, tes fringues, quand tu sors de là, tu peux les jeter. Daubé, quoi. Ah ouais, ça daube à ce moment-là. La graille et la fumée. Et, c'est ouais, donc ça, c'est pour limiter un peu, mais en vrai, bon, voilà quoi. Et vous savez quoi? C'est qu'on a fait ça. On a fait ce barbecue coréen. On a bouffé, mais voilà, on a bouffé. Ouais. C'est pas très bon, en vrai. Il faut être quand même honnête. Moi, je suis un grand, grand fan de cuisine et de cuisine asiatique en particulier. Et la cuisine asiatique, il y a des trucs juste. Formidable, hein. Je veux dire, on parlera pas de la cuisine japonaise, on parlera pas de la cuisine vietnamienne, de la cuisine thaï, ouais. Qui sont vachement diversifiées, raffinées, qui sont délicieuses. La cuisine coréenne, c'est quand même waouh, l'exception au sein de la sphère asiatique, quoi. Mais c'est reconnu comme la asiatique la plus compliquée, hein. Ah, c'est juste pas bon. On va pas se le cacher. Je veux dire, ils aiment deux choses. En fait, ils aiment la mer. Et le piquant. Ah. Et le truc qui est le plus symbolique finalement de leur cuisine, c'est le kimchi. Le kimchi, c'est du chou mariné, donc au vinaigre, ouais. Saumuré en fait exactement, et ensuite recouvert de piment. Et ah. Ça, c'est voilà, c'est un peu la base, et c'est absolument dégueulasse. Tu m'étonnes. Ouais, c'est des trucs à base d'ail cru. Oh. À base de... ah ouais, ok, non. C'est particulier quoi. Les... Du coup, c'est ouais, régime. Ok. Quoi. Non, c'est pas régime, mais en fait, bah, je crois que c'est comme la visite des bureaux. En fait, j'étais ultra hypé, j'étais sur orbite, et puis c'est ah ouais, c'est ouais, quand j'ai vu ces messages aujourd'hui, c'est particulier. Il joue Belanus, le mob que je ouais, savais ouais, pas ouais, où jouer. Attends, ça me. On le cherchait, c'est lui. Wow. C'est lui. Il joue. Il, nice, joue Belanus. Il le banne pas. En plus, c'est Archer, donc il doit avoir des bonnes runes dessus. Eh, ça va être intéressant, justement. Tiens. C'est trop bon le kimchi, mais tu vois, c'est vraiment. Après la bouffe coréenne, c'est relevé. Alors là, moi, j'ai aucun problème avec le piment. Hein. Je veux dire, je bouffe thaï, il n'y a pas de souci, quoi. Mais la bouffe coréenne, c'est pas pimenté comme la bouffe thaï, en fait. C'est parce qu'en plus, c'est aigre. Tu vois, c'est piquant et aigre. Ouais, le thaï, c'est ouais. Sucré et piquant. Là, c'est piquant et aigre. Piquant et aigre, ça me rappelle les chips dégueulasses des roast beef là avec vinaigre. Vinaigre et machin. Oh, ouais. C'est tellement dégueu ça. La première fois que je suis allé là-bas. Mais en fait, c'est pas si mauvais. Bah, les trucs saumurés, c'est très bon quoi. J'aime pas mais ça. Mais hein. Là, c'est quand même particulier. Je suis un peu surpris. Bon, les gens, je vais vous mettre 3 minutes de pub puis je vous laisse avec Papa Geek. Et on va admirer ce beau Belanus. Qui se transforme. Il n'a rien fait parce qu'en fait, normalement, il est censé break def et break attack son skill 3, mais il en a loupé 2 sur 3. Ce qui est, ma foi, c'est un pas bon top. Bon, je vous dis à tout de suite, les gens. Des bisous.
Je vous laisse. Allez, je suis gentil, je vous laisse le combat. Et...